Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour le lancement public du deuxième tome du livre du pape Benoît XVI, Joseph Ratzinger, Jésus de Nazareth. Je le montre, si par hasard vous n'aviez pas encore vu la couverture. Ce deuxième tome était attendu, annoncé et attendu, et donc nous sommes heureux qu'il arrive. Je voudrais simplement, en guise d'introduction aux réflexions qui vont suivre, vous proposer quelques remarques préalables. La première, qui est, je pense, bien connue de la plupart d'entre vous, c'est le côté tout à fait exceptionnel de la publication par un pape d'un livre personnel, c'est-à-dire qu'habituellement, les papes, en tout cas dans la période moderne, les papes sont intervenus par des écrits qui engageaient leur responsabilité pontificale, un enseignement magistériel, des encycliques, etc., mais qui n'étaient pas des œuvres d'auteur. Ça n'était pas Voltiwa qui publiait un livre d'auteur. Ratzinger, délibérément, a choisi de s'engager, ou plus exactement, de poursuivre le travail qu'il avait engagé avant d'être pape, et il a voulu lui conserver le statut qui était le sien avant qu'il ne soit pape, ce qui explique qu'il le publie sous la double dénomination de Joseph Ratzinger et Benoît XVI, pour bien manifester qu'il ne s'agit pas simplement d'un enseignement, il ne s'agit pas principalement d'un enseignement magistériel du pape, mais d'une production théologique qui a évidemment une intention d'enseigner, mais qui n'a pas la même autorité que l'écrit d'un pape agissant dans sa fonction pontificale. Quelle est l'intention du pape? Il nous le dit de manière très claire. C'est un livre dont je m'étais proposé depuis longtemps de faire mon dernier grand opus et que j'ai déjà commencé à écrire avant d'être pape. Je ne voulais pas, et c'était tout à fait conscient, dispenser un enseignement officiel, mais participer aux confrontations théologiques et tenter de présenter une exégèse, une interprétation du texte, qui ne suive pas un historicisme positiviste, mais intègre la foi comme élément de l'interprétation. Donc, en rappelant cette intention de l'auteur, nous situons en même temps le genre littéraire de l'ouvrage, qui n'est ni un catéchisme. Le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a été le maître d'œuvre du catéchisme de l'Église universelle. Ça n'est pas non plus un livre de spiritualité. C'est un livre de théologie. S'il en était, parmi ses lecteurs potentiels, qui étaient impressionnés ou effrayés par le risque qu'il pourrait prendre en lisant un livre de théologie. Je dois tout de suite les rassurer, parce que le cardinal Ratzinger, aujourd'hui Benoît XVI, a un métier très particulier de pédagogue et de pédagogue par l'imprimé. Ceux d'entre vous qui ont une bonne mémoire se souviennent peut-être que dans les années 70, il avait publié un livre qui s'intitulait « La foi chrétienne hier et aujourd'hui ». Ce livre était un livre de théologie, mais c'était un livre de théologie dont l'intention était d'éclairer les chrétiens et non pas simplement de fournir des volumes dans une bibliothèque universitaire. Donc, il a, dans beaucoup de ses écrits, la capacité et le talent de faire partager le résultat d'une recherche
tout à fait rigoureuse dans le domaine théologique, mais de l'exprimer d'une façon accessible à des chrétiens, évidemment, moyennement cultivés. Si on est, de toute façon, si on est illettré, on ne peut pas lire un livre. Donc il faut bien partir de quelque part. La deuxième remarque que je voudrais faire, et qui est annoncée par le passage que j'ai lu tout à l'heure, c'est évidemment une remarque qui concerne la méthodologie mise en œuvre par le pape. Il s'en est longuement expliqué dans la préface du premier volume, qui est à soi tout seul déjà un traité de méthodologie. Il a eu des réactions diverses sur cette introduction du premier volume, dans le sens où un certain nombre de gens lui ont dit que c'était difficile de comprendre ce qu'il voulait dire dans cette introduction. Et donc, il s'est employé à le redire d'une façon plus simple, en tout cas plus directe, et que j'ai déjà commencé d'évoquer à l'instant. Participer aux confrontations théologiques et tenter de présenter une exégèse, une interprétation du texte qui ne suive pas un historicisme positiviste, mais intègre la foi comme élément de l'interprétation. Dans le paysage actuel de l'exégèse, il s'agit bien entendu d'un risque gigantesque, mais si l'interprétation des textes sacrés veut vraiment être une théologie, il faut bien prendre ce risque. Donc, vous l'avez entendu à partir de cette expression succincte, la question à laquelle il se confronte, c'est de présenter la personne de Jésus à partir des Écritures et en utilisant le texte des Écritures comme une ressource fiable pour répondre à un certain nombre de questions qui sont des questions théologiques que l'on se pose et surtout pour dégager le sens des événements qui sont relatés dans les Écritures. Il s'agit donc de dépasser, ou plus exactement, d'utiliser les résultats de l'exégèse historico-critique pour entrer dans une lecture croyante de l'histoire. Et le pari, qui n'est pas seulement un pari, mais qui est un travail auquel Benoît XVI se livre avec persévérance, non seulement dans ce livre « Jésus de Nazareth », mais dans beaucoup d'autres de ses interventions, c'est de montrer qu'on peut avoir une approche intellectuelle rigoureuse des critères d'objectivité rationnelle à l'égard du contenu de la foi, et en même temps avoir une lecture croyante du même contenu. Et que cette approche scientifique du contenu et cette approche croyante ne sont pas normalement destinées à devenir contradictoires, mais qu'elles sont destinées à s'éclairer mutuellement et à donner une lecture, un champ de lecture, un champ de profondeur de lecture qui permet de restaurer l'intention qui est inscrite dans les événements dont il s'agit. La quatrième remarque que je voudrais faire, c'est comment cette approche de l'écriture est aussi une leçon de méthode dans la mesure où, en traitant des événements, en l'occurrence dans ce volume sur la passion du Christ, à partir du dimanche des rameaux jusqu'à la résurrection, comment le pape prend un événement, rassemble les données des évangiles, du Nouveau Testament, fait apparaître les différences entre les approches, les lectures théologiques différentes, et se confronte à cette question.
comment, à travers ces lectures théologiques différentes, il y a un chemin qui s'ouvre vers l'événement lui-même. Et puis, il remonte dans la lecture de l'Ancien Testament pour montrer comment l'écriture du Nouveau Testament intègre une tradition reçue de l'Ancien Testament et qui est la tradition juive de la révélation. Et cette double articulation entre une lecture intégrale du Nouveau Testament, c'est-à-dire qui n'élimine pas les discours divergents, mais qui essaye d'en rendre compte. Et cette lecture intégrale de l'Écriture, verticalement, qui assume l'annonce de la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament, et qui essaye de montrer comment cette annonce éclaire la lecture du Nouveau Testament. Enfin, pour terminer, parce que je crois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti, je voudrais simplement vous dire d'une certaine façon, en reprenant une formule qui a été longtemps, on pourrait dire d'une certaine façon, l'emblème d'une lecture libérale de l'Écriture, il s'agit pour le pape de montrer que le Jésus de la foi, le Christ auquel nous croyons, est Jésus de Nazareth, le Jésus de l'histoire. Quand je dis que ça a été l'emblème d'une lecture libérale, ça consistait précisément à dire qu'il y avait une lecture scientifique, historique du donné du Nouveau Testament, et que cette lecture scientifique, historique n'était pas assumée par un regard croyant. Or, la démarche que le pape nous invite à faire, c'est de récolter le bénéfice, le fruit du travail de l'exégèse historico-critique et de la faire déboucher dans une lecture croyante de l'Écriture. Je souhaite que beaucoup d'entre vous aient la possibilité de suivre ce chemin et d'en tirer tous les fruits. Merci. Monseigneur 23 vient de le dire, le nouveau livre de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, est un livre de théologie pédagogique avec une méthodologie particulière pour présenter la personne de Jésus. Et je vous propose d'essayer de répondre au souhait qu'il était en train d'exprimer, c'est-à-dire comment rentrer dans la lecture de ce livre par deux tables rondes. Je vous propose de partager notre soirée en deux temps. Tout d'abord, en compagnie de Chantal Delsol, de Michael Lonsdale et d'Alain Besançon, je vous propose de nous interroger sur le statut de ce livre, de nous interroger sur la figure de Jésus que nous propose le pape, et puis peut-être de répondre à la question « Comment le lire et quelle place a-t-il ? » Et puis, dans un second temps, nous donnerons la parole aux bibliques, les pères Rafik Nara, Olivier Artus et Marc Rastoin, pour des questions peut-être un peu plus techniques. Dans quel type d'analyse s'inscrit le pape ? On le sait, excellent théologien. Est-ce que c'est un bon lecteur de la Bible ? Les exégètes parleront. Quelle influence ce livre aura-t-il sur la science exégétique, qui est la science de l'interprétation de la Bible ? Et bien entendu, on va aussi tenter de faire entendre la parole du pape. Et entre les deux tables rondes et au cours de la seconde, Michael Lonsdale a bien voulu nous faire le plaisir de lire quelques extraits de ce livre qui nous permettront d'entrer dans le style de ce second volume sur Jésus de Nazareth. Donc notre première table ronde va constituer une première approche du livre de Benoît XVI. Et je suis très heureux de vous présenter nos trois invités. Chantal Delsol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, historienne des idées politiques et romancière. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Est de Marne-la-Vallée. Vous êtes la directrice de l'Institut de recherche Hannah Arendt. Et depuis 2007, vous êtes membre de l'Institut, puisque vous faites partie de l'Académie des sciences morales et politiques. Je cite vos deux derniers livres, « L'âge du renoncement », qui est paru aux éditions du CERF, et « Penser le présent », chronique d'actualité, qui est paru aux éditions Bourin.
Alain Besançon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie et également spécialiste du christianisme. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et vous êtes en quelque sorte un collègue de Chantal Delsol, un confrère, puisque vous appartenez également à l'Académie des sciences morales et politiques. Je cite trois de vos derniers livres, « Émile et les menteurs », paru aux éditions de Fallois, « Cinq personnages à enquête d'amour » sur la religion, paru également aux éditions de Fallois, et « L'image interdite », paru aux éditions Fayard. Et puis Michael Lonsdale, bonsoir. Bonsoir. Faut-il encore vous présenter ? Vous êtes acteur, vous avez joué dans les plus grands films, aussi bien des films relativement confidentiels comme ceux de Marcel Hanoud ou de Marguerite Duras, que dans des films populaires. On vous a vu dans Hibernatus, aux côtés de Louis de Funès. Vous avez campé un abbé plus vrai que nature dans Le Nom de la Rose. Vous avez été le professeur Stangerson du Mystère de la Chambre jaune. Vous avez également joué dans Munich de Steven Spielberg. Et bien entendu, vous venez de recevoir le César du meilleur acteur pour le second rôle, pour le fameux film Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, dans lequel vous êtes bouleversant dans le rôle de Frère Luc. Alors, je vous propose donc de commencer par une question assez simple à tous les trois. Quand vous avez ouvert ce livre et que vous l'avez un peu parcouru, quelle a été votre première réaction ? On va commencer par Chantal Delsol. Qu'est-ce que je prends comme micro ? Celui-là ? Lequel il faut choisir ? Celui-là ? Les deux. Tout marche ? Première réaction... Je reviens sur ce que, d'ailleurs, un peu sur ce que Monseigneur vient de dire, parce que finalement, l'essentiel, je crois, tient dans le fait que nous sommes en train de quitter la quête de la vérité. Et la quête de la vérité est quelque chose de dangereux dans nos têtes. Les vérités tuent, les vérités sont fanatiques. Et donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la morale. Alors, nous voulons une époque moraliste, d'ailleurs, nous l'avons. Même le moralisme est parfois dégoulinant. Mais en tout cas, tout ce qui nous intéresse, c'est savoir comment bien vivre. Alors, pour cela, on reprend des personnages importants, charismatiques, historiques, qui sont bons. Et ce sont des modèles existentiels. Alors, les relais dans les gares sont pleins de vie de Confucius, de Bouddha, de Jésus, etc. Et tous ces gens-là sont des types bien. Et qui nous apporte l'idée de comment bien vivre. Et donc, c'est très important. Mais ce que le pape veut dire, je crois, puisque vous me posez la question, mais vous savez, je ne suis pas théologienne du tout, c'est que Jésus n'est pas seulement un type bien. Voilà. Et ça, c'est quand même très important. Il est non seulement peut-être un moraliste, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut seulement le regarder. Il est aussi un messie, c'est-à-dire que le langage de la vérité est là derrière, et pas seulement le langage de la morale. Moi, ça me paraît être le témoignage le plus important. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Je m'arrête là pour ne pas... On reviendra sur ce que vous dites. Alain Besançon, comment vous l'avez reçu ? Bon, avec admiration. Il y a sous la Restauration, un archevêque de Paris, près des prédécesseurs de Monseigneur 23, disait que Jésus-Christ n'était pas seulement le Fils de Dieu, mais aussi par sa mère d'une excellente famille. Eh bien, je dirais que ce livre n'est pas seulement digne d'un cardinal et d'un pape, mais également, je le dis sans dire, enfin, avec un peu d'ironie, d'un grand professeur. Parce qu'un grand professeur, bien sûr, connaît la matière à fond, évidemment, mais est capable de l'exposer avec simplicité et clarté. Alors, le pape n'a aucunement l'intention de donner de la foi chrétienne, dont il est gardien, une interprétation personnelle. Ce n'est pas une théologie d'auteur. Il n'y a pas de nouveauté, mais il y a du neuf, parce que ce pape a toujours étudié, lu, etc., et il donne une bibliographie qui est principalement de langue allemande, ce qui est bien naturel, mais avec des Français comme Lubac, comme Feuillet, comme Louis Bouillet. Et puis, il a le talent d'exposer des questions complexes et de les débrouiller. Par exemple, la date de la scène. Bon, il avance qu'il vaut mieux suivre la chronologie de Jean plutôt que celle suggérée par les synoptiques. Et il en tire une conclusion théologique fort importante, c'est que Jésus n'a pas exactement célébré la Pâque juive,
il a célébré une autre Pâque, la sienne, qui a un sens à la fois même et l'autre. Voilà, alors je... Comment dirais-je encore ? J'en reviendrai sur ce point. Alors, l'interprétation historico-critique, hein, elle a été ouverte à la pensée catholique par Pie XII en 1943, dans l'encyclique « Divino afflante spiritu », à partir de laquelle les exégèses catholiques ont rattrapé, hein, si j'ose dire, à toute allure, l'exégèse protestante, jusque dans les hypothèses les plus aventureuses. Et le pape estime, je le cite, que cette interprétation a désormais donné tout ce qu'elle avait d'essentiel à donner. Or, je le cite encore, une telle exégèse doit reconnaître qu'une herméneutique de la foi, développée d'une manière juste, est conforme au texte et peut se conjuguer avec une herméneutique historique, consciente de ses propres limites, pour former un tout méthodologique. Un tout méthodologique. Alors l'ambition est très haute, puisqu'il s'agit en somme de mettre en harmonie les exigences de la foi, qui ne changent pas, avec les évidences de la raison, qui changent tout le temps, et qui sont toujours à reconstruire, mais qui sont dans leur ordre légitime. Alors le défi n'est pas nouveau. À partir de Richard Simon au XVIIe siècle, de Spinoza, des Lumières, de l'érudition allemande, le défi ne fait que se radicaliser. Et le défi de l'historico-critique, il est temps de le relever, et c'est ce que, dans son livre, Benoît XVI le fait dans son style, c'est-à-dire de manière calme, irénique, généreuse. Bon, la méthode de Ratzinger est de suivre pas à pas le texte et de volatiliser les interprétations abusives. J'en citerai deux. La première fait de Jésus-Christ un acteur politique, plus exactement un révolutionnaire. Bon, au XIXe siècle, nous avions déjà rencontré le Christ sans culotte en 1792, puis le Christ socialiste en 1848, et au XXe siècle, ça a été le Christ des théologies de la libération. Il s'agissait d'une injection marxiste-léniniste dans les évangiles. Ça a ravagé des continents entiers et les pauvres fidèles ont préféré souvent passer directement au parti léniniste ou bien se réfugier dans des sectes où du moins on croyait sérieusement en Dieu et on salue et au salut par Jésus-Christ. Alors, il ne reste rien de ces théologies dans le livre du pape lu avec bonne foi. Alors, la seconde interprétation, c'est le protestantisme libéral. Ratzinger a trouvé des alliés dans le protestantisme authentique. Là, il cite par exemple Joachim Ringelblum, en qui il salue un frère œcuménique. Mais la cible principale, c'est Rudolf Bultmann, et généralement les interprétations symbolisantes des événements. Je dis cible, bien que dans ces paisibles exposés, il n'y a aucune agressivité, et quand Bultmann a raison, eh bien Ratzinger fait son éloge. Il ressort de ces analyses que le Christ se tient aussi près que possible de la loi et des prophètes qu'il ne cesse de citer. Il accomplit la Torah jusqu'au dernier iota et en même temps, il la métamorphose. Je suis fier personnellement d'avoir remarqué, il y a longtemps déjà, à propos du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, un point que je vois développer avec profondeur. Il s'agit de Caïphe et de Pilate, à qui il n'est pas besoin d'attribuer une méchanceté particulière. L'un voulait, Caïphe, voulait le salut de son peuple, l'autre, le procurateur romain, Pilate, voulait sauver la Pax Romana, la paix romaine. Et le Christ a été mis à mort par tous les hommes, par les méchants, bien sûr, mais aussi par les bons, qui ne le sont pas tant que ça et qui ne savent pas qu'ils ont besoin aussi d'être sauvés, ce qui est notre cas à tous. Et le monde juif a réagi favorablement à cette affirmation en oubliant qu'elle avait déjà été posée au Concile de Trente et à Vatican II, mais il n'est pas inutile de le redire. Alors, le nouveau rapport au peuple juif est un des acquis capitaux de Vatican II. Et il faut néanmoins garder l'équilibre. On voit ça et là, chez certains catholiques, toujours enclins à l'idolâtrie, une certaine idéalisation du peuple juif que le peuple juif ne réclame pas. Il y a continuité entre les deux testaments, mais il y a aussi coupure. Le Christ n'est pas un rabbin, il n'est pas un autre Hillel.
Il se peut que le travail de l'historico-critique soit à bout de course sur le Nouveau Testament, mais il reprend sur l'Ancien Testament. Depuis un siècle, on fouille passionnément la terre d'Israël en quête de preuves. Or, non seulement on ne les a pas trouvées, ces preuves, mais l'archéologie pense en avoir trouvé d'autres qui prouvent que les choses ne se sont pas passées ainsi. Et il semble même qu'il se forme un large consensus entre les archéologues et exégètes juifs, protestants et catholiques. J'ai lu, peut-être vous aussi, les livres de Finkelstein et Zilberman et le livre de Liverani. Ça a suscité des réactions très critiques de la part du monde juif. Or, nous, chrétiens, nous sommes dans le même bateau. Notre religion est une histoire. On ne peut pas faire passer trop d'événements du côté de la légende. Et deux points me paraissent cruciaux. Premièrement, le salut, le séjour du peuple élu en Égypte et sa libération par Moïse, et ça parce que c'est la matrice fondamentale de tout le judaïsme et tout autant du christianisme. Le Christ, nous expose Ratzinger, s'est présenté comme le nouveau Moïse. Donc il est difficile d'admettre que l'Exode soit un récit légendaire. Et deuxièmement, la datation et le statut de David et de Salomon et de la fondation et du sens de Jérusalem. Alors pour ma part, je suspends mon jugement en attendant que se décantent ces nouvelles théories. Et dans son livre, eh bien le pape semble aussi remettre ces questions à plus tard, en attendant encore une fois qu'il y ait un tri. Elles ne manqueront pas, ces nouvelles questions, de se poser. Alors, pour finir... Attendez, je vais vous poser encore d'autres questions. Pour finir... Ne dévoilez pas toutes vos batteries. Pour trois lignes, j'attends avec impatience la troisième partie de l'enquête que promet le pape, si Dieu lui prête vie, qui portera sur les évangiles de l'enfance. Là, je voudrais être au clair sur la question des frères de Jésus, qui devient très aiguë dans le temps présent. Pour moi, je le dirais franchement, elle est un shibboleth. Quand je vois un livre qui ose affirmer que la Vierge Marie aurait eu plusieurs enfants, je le rejette avec l'indignation qui saisissait Luther et Calvin quand on prétendait devant eux une chose pareille. C'est l'incarnation qui est en jeu et le pape nous aidera à mieux la comprendre dans son prochain livre. Merci. Michael Lonsdale, comment est-ce que vous avez reçu ce livre ? Par la poste. avec beaucoup d'étonnement, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, ou très peu. Un peu surpris d'être interrogé là-dessus, sur un livre qui me paraît très savant, très intelligent, un peu difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est ni théologien, ni philosophe, et qui vit un peu il essaie de vivre la foi... un niveau qui vous paraîtra peut-être un peu simpliste, mais c'est plutôt la foi du charbonnier, vous voyez. Donc l'analyse et j'ai essayé de lire la philosophie, je n'arrive pas, c'est quelque chose qui m'interpelle pas. La théologie, j'ai moi dans la parole de Jésus tout ce qu'il faut. C'est un peu comme Thérèse de Lisieux qui disait, je crois dans ce que Jésus dit. Et le reste, c'est un peu compliqué. Alors, faut-il essayer de se forcer à comprendre ? Je ne crois pas, non. Il faut vivre avec comme on est, être simple, et essayer de vivre ce que le Seigneur nous propose, qui est pour moi l'exemple total, absolu, de la vérité et de ce que la vie peut être, l'amour et la bonté. Enfin bon... Alors voilà, je crois que je suis plutôt ici pour lire un peu des textes, pour vous aider. Et puis je répondrai peut-être, mais pour l'instant, je ne pourrais pas dire plus. Voilà. Je suis un peu un zombie, vous savez, ici, j'ai l'impression. Merci. Chantal Delsalle, vous avez dit, on aime beaucoup la morale en ce moment, on est envahi de morale, et ce qui est assez frappant dans ce texte, c'est qu'on a l'impression que Benoît XVI est en train de retirer le sol sous ceux qui prêchent la morale en disant le Christ n'est pas, enfin le fondement du christianisme n'est pas une morale.
C'est assez surprenant. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Et comme vous dites, il est en train de tirer le tapis sous un certain nombre de personnes, très, d'ailleurs tout à fait respectables, mais qui se prennent un peu pour des sages et qui disent il n'y a pas de transcendance, il n'y a rien d'autre. Écoutez, soyez bons les uns avec les autres, et puis ça ira bien comme ça. Et ne cherchons pas des idéaux au-dessus, parce que sinon on se ferait la guerre. Et alors, ce sont effectivement ces types de personnes qui prospèrent, même chez les chrétiens d'ailleurs. Parce que les chrétiens ne se rendent pas toujours compte que c'est pas exactement pareil de faire la morale et de parler de la vérité. Et j'ai le sentiment, en lisant ce livre, que le pape a très très bien compris ça. Et qu'il est en train de dire, halte-là, il faut quand même pas tout mélanger. Et la morale ne suffit pas. C'est très important, bien sûr. Dieu est amour, mais Dieu, c'est Dieu. C'est pas seulement l'amour comme ça des petits oiseaux ou quelque chose qui se promène. J'ai cette impression, je l'ai aussi. Par exemple, il parle de choses simples, comme vous l'avez dit. Au fond, il fait un travail. Je ne dis pas de commentateur, mais enfin, il n'invente pas. Il donne ses sources. Il décrit ses sources. Il les compare. Enfin bon, et après, il donne son avis à lui. Mais c'est plutôt. C'est plutôt un livre de pédagogie qu'un livre de chercheur. Enfin, c'est l'impression, en tout cas, que j'ai. Donc, il dit des choses simples, mais qui justement, ne sont plus simples aujourd'hui dans la tête de beaucoup de personnes, et même, voire même de chrétiens. Par exemple, la dimension eschatologique, le fait de dire que Jésus ouvre le temps en deux. La résurrection est une brèche dans le temps, qui est un temps circulaire, au fond. Qui au fond le fait sortir le temps de lui-même pour nous emmener vers une autre dimension, comme diraient les dessins animés. Et ça, je pense que c'est tout à fait nouveau pour beaucoup de nos contemporains, la dimension transcendante. Et en même temps, le fait que cette vérité n'est pas un dogme, une affirmation dogmatique simplement, mais une personne. Et bon, c'est très important. Par exemple, regardez, sur la résurrection, il y a un passage. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la scène. Mais sur la résurrection, il y a un passage qui est étonnant. Il décortique un peu. Qui est cette personne qui sort du tombeau? Et alors, il prend bien soin d'expliquer aux gens, attention, c'est pas simplement un fantôme qui se promène. Parce que, vous savez, les gens croient aux fantômes maintenant. Vous savez, vous mettez maintenant un petit enfant devant une statue de la Vierge pour faire sa prière. Je suis pas si sûre qu'il fasse vraiment la différence entre la Vierge et puis un personnage de bande dessinée ou une princesse Disney. Vous voyez ? Et donc, il y a maintenant des fantômes plein les maisons. Hein. Alors, il prend la peine d'expliquer sur plusieurs pages que ce personnage qui sort du tombeau, c'est pas un fantôme, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un dont la chair est revenue à elle par on ne sait quel miracle extraordinaire, et puis qui va remourir 10 ans après. Non, c'est pas ça, c'est encore autre chose. Et ça, je pense qu'il a bien saisi l'esprit de l'époque pour faire cette pédagogie-là, parce que ça correspond tout à fait à ce qu'il faut. Alors, il a une déclaration qui rejoint un peu certains de vos thèmes. L'idée d'une expiation est quelque chose d'inconcevable pour la sensibilité moderne. On a l'impression qu'il retourne à cette idée d'expiation. Ouais, j'ai été frappée par cette phrase aussi. Il a des mots, effectivement, sur les modernes. À un moment donné, il parle de la pédanterie moderne. Donc il a des mots assez durs. On sent que ça s'adresse quand même à la postmodernité pour... mais effectivement, il dit, vous ne voulez pas accepter cela, et pourtant, voilà. Donc je pense que c'est de la pédagogie. Alain Bazossan. Oui, je voulais simplement rappeler que dans l'iconographie orthodoxe, dans les icônes, on ne représente jamais la résurrection du Christ. À la place, on représente la descente aux enfers du Christ qui vient chercher Adam et Ève. Et en même temps, donc ça garde caractère profondément mystérieux de cette opération de la résurrection de la chair. En même temps, le pape attaque tout à fait clairement les interprétations symbolisantes, ceux qui disent, n'est-ce pas, que c'était un sentiment de la communauté chrétienne, que le Christ ne les avait pas quittés, qu'il était toujours avec eux, etc. Non, c'est un événement réel. On dit quelquefois, s'il y avait une caméra dans
dans le tombeau, elle n'aurait pas pu filmer. J'en sais rien, mais c'est toujours un événement. Ces questions ne se posent pas. Mais il faut insister que c'est un événement réel et que ce qui est sorti du tombeau, c'est un homme, l'homme de Nazareth, mais alors dans le statut de glorifié, quelque chose d'assez mystérieux, mais c'est comme ça. Et c'est concret. C'est pas un fantôme, c'est pas Lénine est vivant parmi nous, comme on disait à l'époque bolchevique. Non, le Christ n'est pas vivant, il est vivant parmi nous, mais sous une autre forme, et toujours corporellement dans l'Eucharistie. Vous avez parlé, Chantal Delsol, du fait que le Christ ouvrait le temps. Et dans votre dernier livre, justement, vous attaquez à toutes ces questions sur le progrès, puis la remise en cause de l'idée de progrès, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Enfin, on a l'impression qu'effectivement, le pape veut revenir à cette idée ancienne qu'il y a un horizon, enfin, que quelque chose va se passer. Je pense qu'il il redit des évidences, mais parce qu'il sait qu'elles ne sont plus évidentes. C'est effectivement, vous avez un temps dans toutes les civilisations qui est un temps circulaire. C'est-à-dire que le temps revient sur lui-même, ce qui ne signifie pas que les événements se reproduisent exactement tels qu'ils sont, qu'on va se retrouver dans la même salle dans 1000 ans, les mêmes. Non, c'est pas ça. Espérons-le. Mais ça signifie que les choses se produisent toujours de la même façon, et finalement, il y a une histoire, mais il n'y a pas vraiment d'événement au sens où un événement, il n'y en a qu'un seul. Bon, donc, on revient toujours, on passe finalement du chaos primitif à l'ordre que les hommes construisent, et on retourne à un chaos, et on reconstruit un ordre, et on retourne au chaos, etc. L'image la plus belle, c'est celle des cycles indiens. Donc, nous avons un temps circulaire partout, et nous avons d'ailleurs un temps circulaire chez les Grecs et les Romains qui précèdent le christianisme. Et à un moment donné, disons à plusieurs moments donnés, ce temps s'ouvre. On peut dire que le temps s'ouvre comme s'il était, pour ainsi dire, crevé par une épée, je ne sais pas, au moment où Yahvé se manifeste dans le désert, aux Juifs dans le désert, et aussi par la résurrection du Christ. C'est-à-dire que ce temps circulaire cesse d'être circulaire et une flèche sort de cette circularité pour aller vers le salut, avec un grand S à ce moment-là, et donc vers, il y a une eschatologie qui apparaît. On attend, à partir de ce moment-là, on attend quelque chose de nouveau, alors qu'avant, on était toujours dans le cycle des recommencements, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Les stoïciens l'ont dit d'une façon absolument superbe. Et vous pensez qu'on est en train d'abandonner ça, et que le pape est en train de... De dire, n'abandonnez pas ça. Oui, oui. Oui, Chantal a tout à fait raison. Il y a dans la nouveauté chrétienne, c'est qu'il y a un début, un milieu et une fin. Le début, c'est la création du monde. Le milieu, c'est l'incarnation du Christ. Et la fin, ben, nous verrons. Nous sommes dans les derniers jours. Hein, comme chacun. C'est ce que dit la liturgie. Hein, nous sommes dans les derniers jours. Mais il y a une formation parasite qui est l'idée de progrès. Parce que cette avancée de l'histoire ne veut pas dire, ne se confond pas avec l'idée de progrès. Si l'on peut scruter ça, on peut voir une avancée simultanée du bien et du mal. Quand on a vécu la première moitié du XXe siècle, celle qui a vu le communisme, le nazisme, le grand bond en avant chinois, etc., c'est quand même pas, ça ne s'inscrit pas très facilement dans l'idée de progrès, mais plutôt dans l'idée du double progrès du bien et du mal, parce qu'en même temps, on a réalisé ailleurs ou pendant d'autres idéaux. Et de même, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Chantal, la bonté, la gentillesse n'est pas la charité. Et le pape a fait toute une encyclique là-dessus, justement, pour distinguer la charité de la bonté, de la gentillesse, de la générosité, etc. Et on a traduit ça, malheureusement, au lieu de dire « Deus et Caritas », qui était le titre de l'encyclique, on a traduit « Dieu est amour », ce qui prête justement à toutes les confusions entre l'amour de toutes les formes et l'amour de charité, qui est un amour très particulier, très rare. Vous avez parlé des rapports entre l'histoire et l'exégèse, enfin, en disons les sciences bibliques. Est-ce que c'est pour vous une bonne nouvelle, ce livre ? Est-ce que vous pensez que ça, il est en train de nous réconcilier avec l'histoire, le pape ? C'est nécessaire. Il est nécessaire qu'il y ait une parole autorisée, hein, pour essayer de prendre en compte cet événement énorme qui n'est pas nouveau, quand un coup, puisque ça commence
bien avant d'ailleurs, mais principalement au XVIIe, l'historico-critique. À partir du moment où Richard Simon, pour embêter les protestants, a dit « Mais vous savez, votre écriture sacrée, elle n'est pas tombée du ciel. » Spinoza, qui a critiqué également la Torah, puis jusqu'aux trucs absolument radicaux qu'on voit aujourd'hui, dans lesquels il n'y a plus rien n'existe, hein, dans lesquels tout a été rédigé à une date très récente, etc. On a besoin d'une parole autorisée, équilibrée, qui essaie de joindre, de tenir le debout, de joindre la raison et la foi. Bon, c'est un moment, hein, et il va falloir recommencer bientôt d'ailleurs, parce que ça ne va pas suffire. Justement, ces nouvelles critiques que réveille l'archéologie et l'exégèse à propos de la datation des écritures ou de l'existence de l'Exode et du départ en Égypte et de la libération, c'est des très grosses questions. Il va falloir, là, le pape ne s'en mêle pas. Parce que c'est pas mûr. Il parle pas de Moïse. Non, il parle de Jésus. Ce n'est pas mûr. Oui. Ce n'est pas mûr. Mais il est très embêtant que le Christ se présente comme un nouveau Moïse si Moïse n'a pas existé. Ça va poser des questions, si vous voulez, auxquelles on répondra. Et j'espère que le pape ou un autre pape sera là pour y répondre. Chantal Delsol, pour vous, est-ce que c'est plutôt un livre d'histoire ou un livre, disons, de théologie et même d'anthropologie? Parce que là aussi, je suis très frappé. On sent qu'il explique bien. Qui est le Christ et du coup, qu'est-ce que l'homme, en fait? Moi, je ne suis pas théologienne, donc j'aurais bien du mal à répondre correctement à cette question. Je vois sous mon regard, il apparaît comme un livre de pédagogie, et je pense que ce n'est pas un hasard si c'est le pape qui prend la peine d'écrire ça, parce que d'autres personnes auraient pu l'écrire, n'est-ce pas? Mais ça n'aurait pas eu le même impact. Qui aurait été certains auraient peut-être été acheter un livre sur Jésus, mais se serait dit bon, c'est le Xème, alors pourquoi celui-là a été le meilleur que d'autres? Tandis que là, c'est le pape qui prend la peine de le faire lui-même, et donc ça a véritablement beaucoup plus d'impact que si c'était une personne X qu'on connaît moins bien. Et pour moi, c'est un livre qui rappelle des choses essentielles à des gens un peu perdus. Donc je le vois surtout sous cet aspect. Je suis incapable de savoir s'il y a des nouveautés théologiques. Non, il n'y en a aucune. Je ne pense pas. Il n'y en a aucune, bien entendu. Il n'y en a aucune. Je pense qu'il répond à une époque. Mais en même temps, c'est un livre de grand talent. Oui, non. C'est un livre de grand talent. C'est un livre que... c'est un page-turner, comme on dit en anglais. On tourne... enfin, je veux dire... undownable. Enfin, une fois qu'on l'a ouvert, on le lit. Hein, Voltaire a dit que tous les genres étaient bons, sauf l'ennuyeux. Ce n'est pas un livre ennuyeux, pas du tout. C'est un livre tout à fait passionnant. Vraiment, lisez-le. Vous ne vous ennuierez pas. Mais écoutez, nous arrivons à la fin de cette première table ronde. J'ai juste une toute petite question et je vous demande d'être assez bref l'un et l'autre. Quel serait la page qui vous a le plus frappé, la chose qui, le détail qui vous a le plus frappé? Vous, Alain Besançon, vous en aviez dit plusieurs. Qu'est-ce qui est pour vous la chose la plus frappante? Quand il a dit qu'il fallait arriver à un tout méthodologique. Ça, j'ai trouvé que la formule était extraordinairement ambitieuse. Et parce qu'elle ne sera jamais réalisée. Il n'y aura jamais de tout méthodologique. La foi reste la même et la critique biblique varie, change, etc. L'archéologie trouve des choses et en détruit d'autres. Donc, c'est un travail toujours à recommencer. Mais le tout méthodologique est une chose qu'il faut viser et que le pape a merveilleusement traité, à mon avis, dans ce livre. Chantal Delsol. Comme je vous l'ai dit, j'ai été très marquée par les passages sur la résurrection et à quel point il montre justement la transcendance à ce moment-là et comment il explique, avec beaucoup de talent, que la vie éternelle est déjà commencée. Je trouve que c'est très très bien fait, ces passages-là. Je voudrais bien dire, en effet, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu la résurrection puisque c'est ce qui m'impressionne le plus. Et là, j'ai trouvé des réponses à des tas de questions auxquelles je ne comprenais rien. Alors je vais relire ça et relire jusqu'à ce que ça prenne sens dans ma capacité de comprendre. Mais ce chapitre sur la résurrection, pour moi, ça tranche presque sur le reste. C'est vraiment évident. Et c'est profondément ressenti et... ça clarifie beaucoup de choses, d'ailleurs, des questions dont on ne parle jamais.
comment est-ce que la résurrection s'est faite? Qu'est-ce que c'est que cet homme qui soudain apparaît au Cénacle, qui est là? Comment ça peut-il se faire, une chose comme ça? Alors, je crois qu'il y a une part de mystère, comme on dit, chaque fois qu'on ne peut pas expliquer, on dit que c'est un mystère, ce qui nous facilite la chose, mais moi, je rêve beaucoup là-dessus. J'y pense tout le temps, à ce Jésus qui, tout d'un coup, est là. Je me dis, mais comment? Habillé comment? Comment ça? Alors, c'est peut-être tout à fait naïf, mais ça m'interpelle, je veux dire. Alors, si ça veut dire autre chose, il faut nous l'expliquer. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Voilà, le fantôme, comme vous dites. Comment est-il habillé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il mange? Comment vit-il? Puis, d'un coup, il disparaît. C'est énorme, à croire en des choses comme ça. C'est énorme, vous rendez compte, pour la moyenne de l'intelligence humaine. Mais on reste ébloui et puis on se dit, ben, on ne sait pas, finalement. Il faut y croire, mais on ne sait pas comment ça a pu se passer. Il n'y a peut-être pas de mots pour l'expliquer, je ne sais pas. Merci. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois de nous avoir permis de réaliser cette première approche. Et donc, nous allons passer à la seconde table ronde avec les exégètes. Alors, nous allons commencer notre seconde table ronde. Et dans cette seconde table ronde, il sera temps de donner la parole aux spécialistes du texte biblique afin d'entrer plus directement dans le contenu du livre de Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois ecclésiastiques particulièrement compétents dans les sciences bibliques. Père Olivier Artus, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Sens-Auxerre. Vous êtes professeur d'écriture sainte au Théologicum, qui est la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes également le directeur de l'École des langues et civilisations orientales anciennes, l'ELCOA. Vous êtes également membre de la commission biblique pontificale. Vous êtes un spécialiste du Pentateuque, les premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, et on peut citer deux de vos derniers livres, Les lois du Pentateuque, point de repère pour une lecture exégétique et théologique paru au CERF, et Eschatologie et morale paru chez Des Clés de Brouwer. Père Marc Rastoin, bonjour. Vous êtes prêtre de la Compagnie de Jésus, vous êtes professeur d'exégèse biblique aux facultés jésuites de Paris et vous êtes spécialiste de la théologie paulinienne, comme en témoigne votre avant-dernier ouvrage, Tarse et Jérusalem, la double culture de l'apôtre Paul en Galates, Galates 3, 6, 4, 7, qui est paru à Rome. Et vous avez écrit, vous venez d'écrire, du même sang que notre Seigneur, juif et jésuite au début de la Compagnie de Jésus. Père Rafik Nara, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et vous enseignez ici, donc vous êtes un peu chez vous, ici, au Collège des Bernardins, et vous êtes responsable du pôle judaïsme et christianisme. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on parte en trois temps. On va commencer par parler de la méthode exégétique du pape, puis ensuite on va essayer de voir quel est le Jésus du pape, si je puis dire, et puis on terminera sur le peuple de Dieu. Et donc, pour commencer sur cette méthode exégétique, je vous propose d'entendre quelques mots du livre du pape. La promesse d'obéissance qui était constitutive pour l'Alliance fut rompue immédiatement après l'adoration du veau d'or, alors que Moïse se trouvait sur la montagne. Toute l'histoire qui suit est une histoire de violation, toujours nouvelle, de la promesse d'obéissance, comme le montrent aussi bien les livres historiques de l'Ancien Testament que les livres des prophètes. La rupture semble irrémédiable au moment où Dieu abandonne son peuple à l'exil et le temple à la destruction. À ce moment-là surgit l'espérance de la nouvelle alliance, non plus fondée sur la fidélité toujours fragile de la volonté humaine, mais inscrite indestructiblement dans les cœurs eux-mêmes. En d'autres termes, la nouvelle alliance doit se fonder sur une obéissance qui soit irrévocable et inviolable. Cette obéissance, qui fonde maintenant la racine de l'humanité, est l'obéissance du Fils qui s'est fait serviteur et qui prend sur lui, par son obéissance jusqu'à la mort, toute désobéissance humaine. Il la supporte jusqu'au bout et la surmonte. Dieu ne peut pas tout simplement ignorer l'ensemble de la désobéissance des hommes, tout le mal de l'histoire. Il ne peut le traiter comme une chose de peu d'importance et insignifiante. Une telle sorte de miséricorde, de pardon inconditionnel, serait cette grâce à bon marché contre laquelle Dietrich Bonhoeffer s'est élevé
avec raison face à l'abîme du mal de son temps. L'injustice, le mal comme réalité, ne peut pas être simplement ignoré, ne peut être laissé là. Il doit être éliminé, vaincu. C'est là seulement la vraie miséricorde. Et puisque les hommes n'en sont pas capables, Dieu lui-même s'en charge maintenant. C'est là la bonté inconditionnelle de Dieu, une bonté qui ne peut jamais être en contradiction avec la vérité et la justice qui lui est liée. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 TM 2.13. Sa fidélité réside dans le fait que maintenant, lui-même n'a pas agi seulement comme Dieu à l'égard des hommes, mais aussi comme homme à l'égard de Dieu, fondant ainsi l'alliance de manière irrévocablement stable. Par conséquent, la figure du serviteur de Dieu qui porte le péché de la multitude va avec la promesse de la nouvelle alliance fondée de manière indestructible. Cette greffe désormais indestructible de l'alliance dans le cœur de l'homme, de l'humanité elle-même, se réalise dans la souffrance vicaire du Fils qui s'est fait serviteur. Depuis lors, à la marée immonde du mal s'oppose l'obéissance du Fils en qui Dieu lui-même a souffert et dont, en conséquence, l'obéissance est toujours infiniment plus grande que la masse croissante du mal. En quoi ce texte est pour vous symptomatique, si je puis dire, de la méthode pontificale ? J'ai effectivement choisi ce texte parce qu'on y voit comment Benoît XVI fait de l'exégèse d'une certaine manière. Alors, il faut peut-être un petit peu remonter en arrière dans l'histoire de l'exégèse pour comprendre pourquoi il fait cela. On a parlé tout à l'heure d'un conflit au XIXe siècle, finalement, entre une herméneutique historique, hein, c'est-à-dire une vérité historique, et puis une herméneutique de la foi. Et au fond, dans l'Église catholique, ce conflit est résolu, on peut dire, avec le Concile Vatican II et avec la constitution Dei Verbum. Mais il me semble que dans les premières années qui suivent le Concile Vatican II, un certain nombre d'exégètes lisent le Concile comme une victoire, finalement, de l'exégèse historico-critique sur ce qui ne l'est pas. Et au fond, pourtant, Benoît XVI enracine sa méthode exégétique dans la constitution Dei Verbum, dont il souligne finalement le caractère équilibré. C'est-à-dire que cette constitution, effectivement, invite à honorer un pôle technique de l'exégèse, mais qui n'est pas une herméneutique, qui est une méthode de lecture, la méthode historico-critique. Et il invite également à honorer deux autres aspects. Premièrement, une dimension canonique de la lecture de la Bible. Je ne peux pas lire un livre biblique tout seul. Il faut que je sois dans un mouvement de va-et-vient entre les livres et entre les testaments. Et puis, troisième élément, c'est toujours la dimension ecclésiale de l'herméneutique biblique, c'est-à-dire que je ne lis jamais la Bible tout seul et que dans l'Église catholique, ma lecture est toujours régulée par deux éléments qui sont une tradition d'interprétation qui me précède depuis 2000 ans et d'autre part un magistère qui m'empêche, au fond, d'être solitaire dans mon acte d'interprétation. Alors, au fond, ces trois éléments mettent du temps à être conjugués dans l'exégèse catholique. Et en 1993, il y a un document assez important qui est publié par la Commission biblique pontificale, alors présidée par le cardinal Ratzinger, qui est donc l'interprétation de la Bible dans l'Église. Et donc, ce document met de l'ordre un petit peu dans l'exégèse en distinguant d'une part les méthodes et d'autre part les approches. Alors, méthode historico-critique de nouveau, méthode synchronique. Et dans les approches, et souligner l'intérêt d'une approche canonique, avec deux auteurs qui sont cités, Sanders et Childs. Et cette approche canonique est finalement une invitation à considérer le texte biblique comme le vis-à-vis d'une communauté qui reconnaît le principe et la règle de sa foi, et puis d'autre part, à inviter également à prendre en considération l'histoire de l'interprétation du texte, les effets du texte dans la communauté. Et lorsque Joseph Ratzinger va, au fond, se lancer dans une herméneutique théologique de la Bible, il va toujours souligner la dimension canonique de son acte d'interprétation dans différents lieux. Au fond, c'est en faisant une lecture canonique du texte biblique que l'on va arriver à construire des catégories théologiques d'interprétation. Alors ici, la catégorie théologique qui est construite, c'est la catégorie de souffrance vicaire du Fils. Et au fond, on voit comment les deux pages que nous avons lues font un mouvement de va-et-vient entre différents textes de l'Ancien Testament, le récit de l'Alliance en Exode 24, puis rupture et renouvellement de cette alliance en Exode 32,
II, puis la catégorie de nouvelle alliance introduite par Jérémie, et finalement des éléments néo-testamentaires qui permettent, je dirais, d'en voir l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Mais alors, est-ce que c'est une manière de signer une sorte d'acte de mort de la méthode historico-critique ? C'est-à-dire, est-ce que c'est la fin de la méthode historique ? On ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Je pense qu'elle est simplement mise à sa place. Comme vous le dites, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que le texte... Alors moi, je m'intéresse plutôt au Pentateuque, comme vous l'avez dit, mais une fois que je sais, mettons, que la version finale de l'Exode date du 5e siècle avant notre ère, bon, je ne pense pas que ça bouleverse terriblement votre foi, ni la mienne d'ailleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas encore commencé l'acte d'interprétation proprement théologique. Donc ça va être un élément dont je vais devoir tenir compte, évidemment, dans mon interprétation, mais au fond, la vérité du texte n'est pas de cette nature historique. La vérité est vraiment la rencontre d'une personne qui est le Christ. C'est-à-dire qu'au fond, la nouveauté un petit peu radicale introduite par Benoît XVI vis-à-vis de l'exégèse classique, c'est toujours de dire l'herméneutique biblique, quel que soit le texte que vous lisez, doit toujours être une herméneutique christologique et eschatologique. Oui, mais on est dans une société qui a quand même un rapport particulier à l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire est souvent conjuguée avec la vérité. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est historique, c'est vrai. Et là, vous êtes en train de me dire, bon, d'abord, il y a l'histoire, puis après, il y a la vérité. Alors, parce que vous voyez, les gens se posent des questions. Ça s'est vraiment passé comme ça, le lavement des pieds, ou ça s'est pas vraiment passé comme ça ? Alors, deux types de réponses. Les auteurs bibliques eux-mêmes prennent toujours la peine de nous avertir. Alors, dans l'Ancien Testament, je sais pas si vous avez en mémoire les livres des rois, vous avez des notices sur les différents règnes des rois de Juda et d'Israël qui se terminent. Si vous voulez connaître la chronique de ce règne, allez donc voir les annales, hein. C'est pas le travail de ce texte. Autrement dit, la Bible se présente toujours elle-même comme une interprétation croyante de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un reportage sur ce qui s'est passé, c'est vraiment une interprétation très théologique, hein, de l'histoire. Et au fond, il y a dans le texte biblique même toujours ce va-et-vient entre histoire et foi. Deuxième type de réponse, alors elle est plus évidente dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, mais le phénomène elle-même, on s'est aperçu dans l'exégèse assez récente, hein, l'exégèse ancienne était quand même très marquée par des a priori protestants, puisque c'est en milieu protestant qu'elle est née, et en particulier un a priori de sola scriptura, c'est-à-dire qu'on allait chercher dans le texte biblique le noyau dur le plus ancien, qui était présupposé être le plus vrai aussi. Et puis, l'exégèse historico-critique elle-même, dans les années 80-90, fait la démonstration que ce n'est pas comme ça que fonctionne le texte biblique, que les lectures, les relectures tardives, au fond, sont déterminantes pour imprimer à ce texte un sens. C'est-à-dire, au fond, je n'ai jamais accès directement dans le texte biblique au Jésus de l'histoire, celui-ci m'est toujours livré avec la relecture de foi qu'en font des communautés diverses, et c'est bien ce va-et-vient entre le Jésus historique et au fond, l'interprétation croyante qu'en font des communautés que propose Benoît XVI dans son ouvrage. Oui, je crois que c'est important de ne pas voir son travail comme une nouveauté absolue, disons, comme si entre l'essai de ce livre qui se présente comme une contribution au débat, et j'aimerais revenir sur la nouveauté radicale que ça représente pour le rôle du pape dans l'Église catholique, il s'appuie aussi sur des travaux et à commencer par ceux de John Mayer, donc historien, prêtre, catholique américain, qui est l'auteur de La Somme de référence sur le Jésus historique, dont il fait plusieurs fois un éloge appuyé, l'excellente analyse, je suis convaincu par ses arguments sur la date de la scène dont a parlé Alain Besançon, il reprend l'analyse de John Mayer. Donc, il rentre dans un débat et je pense qu'il fait en partie ce que cherche à faire une bonne part de l'exégèse catholique d'aujourd'hui. Je veux dire, grâce à Dieu, il n'y a pas le pape tout seul d'un côté et un monde exégétique qui serait à 10 000 km, ce qui serait quand même un peu embêtant. Il traduit, en fait, c'est assez intéressant, il y a eu Verbum Domini il y a 6 mois. Donc, le texte magistériel qui dit un petit peu comment il faut faire, voilà, le fruit positif apporté par la recherche historico-critique moderne est incontestable et indiscutable, mais il convient d'exiger une étude similaire de la dimension théologique des textes bibliques. Et, comme il dit dans le deuxième volume, j'ai fait un pas, je présente une contribution pour aller dans ce sens-là. Et là aussi, le fait qu'il intervienne, j'allais dire, avec cette humilité-là, de dire ça ne constitue en aucune façon un acte du magistère, bon, ça a été relevé dans les conférences de presse qui ont été faites à Rome cette semaine, notamment par le secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le père Ladaria,
ça représente une nouveauté assez impressionnante. Et je pense que ça participe d'une manière très fine de la façon dont Benoît XVI redessine le rôle de la papauté. On a eu Jean-Paul II avec cette espèce de géant, à tout point de vue, et Benoît XVI est en train d'habiter, ça a été très bien dit, tranquillement, sereinement, autrement, et il s'autorise à intervenir, non pas en fonction de son autorité magistérielle, mais comme théologien au débat. C'est assez inouï quand on y pense. Ça fait au moins 3 siècles que cela n'a pas eu lieu. Et je pense qu'il faut une bonne dose d'humilité de dire, étant donné ce qu'il est, « Bon, critiquez-moi, je n'ai pas tout lu. » On voit bien qu'il y a des pans de l'exégèse, par exemple, narrative, qu'il connaît moins. Paradoxalement, il dépend énormément de l'exégèse historico-critique, plus que parfois de l'exégèse narrative. Mais il prend acte. Il dit « J'aimerais donner un exemple que c'est possible de faire cet arc herméneutique, finalement, qui va des questions que pose le texte, les plus spontanées, les plus évidentes. Bon, la date de la scène, c'était quand dans la semaine? Qu'est-ce que Jésus a pris? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à, finalement, le sens théologique le plus profond que ça a pour nous. Et que ça parte de là et que ça finisse là. Alors, je pense que d'autres le font, voilà, essayent de le faire. Et le pape, avec les qualités de clarté, qui ont été dites d'extrême clarté, et de grands théologiens, rentre dans ce débat. Alors après la question de la méthode, on va essayer de voir quel est le Jésus du pape, et je vous propose d'entendre un deuxième extrait du livre du pape. Pour le moment, gardons ceci à l'esprit. Jésus revendique de fait un droit royal. Il veut que son cheminement et son agir soit compris selon les promesses de l'Ancien Testament qui, en lui, deviennent réalité. L'Ancien Testament parle de lui et, inversement, il agit et il vit dans la parole de Dieu et non selon des programmes et des désirs qui seraient siens. Son exigence se fonde sur l'obéissance face à l'ordre du Père. Son cheminement est un cheminement à l'intérieur de la parole de Dieu. Venons-en maintenant à la partie proprement apocalyptique du discours eschatologique de Jésus. À l'annonce de la fin du monde, du retour du Fils de l'homme et du jugement universel, le fait que Jésus n'illustre pas les événements à venir avec des paroles à lui, mais qu'il les annonce d'une manière nouvelle, avec d'antiques paroles prophétiques, a une signification plus profonde. Le fait de parler de l'avenir avec des mots du passé enlève à ce discours toute relation chronologique. Il ne s'agit pas d'une nouvelle formulation de la description de l'avenir, comme on s'y attendrait de la part de voyants, mais il s'agit d'insérer la vision de l'avenir dans la parole de Dieu qui a désormais été donnée et dont la stabilité, d'une part, et les possibilités d'ouverture, d'autre part, sont ainsi rendues évidentes. Qu'est-ce que ça nous dit de la figure de Jésus telle que l'envisage le pape? Il y a un élément qui m'a particulièrement intéressé dans les deux volumes d'ailleurs, pas seulement le deuxième, parce que je pense que c'est un point qui est important. Le deuxième volume, c'est le prolongement du premier. Et il y a des thématiques qui reviennent, si vous voulez, tout au long des deux volumes. Et une des thématiques, personnellement, qui m'intéresse beaucoup, c'est cette question de l'accomplissement des Écritures. C'est-à-dire le rapport entre Jésus et les Écritures d'Israël. Vous voyez, c'est une question qui est importante et compliquée pour diverses raisons. Par exemple, dans le tome 1, une des questions qui était abordée et que le pape développe avec beaucoup de brio, c'est la question de la parole de Jésus quand il dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Or, on sait bien que des chrétiens n'observent pas un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire quoi ? « Je ne suis pas venu pour abolir. » Vous voyez ? Alors, il développe tout un raisonnement dans le tome 1. Et puis, dans le tome 2, il commence en réalité par cette question-là qui est importante, peut-être plus encore dans le deuxième volume, dans la mesure où on sait bien, quand on lit les évangiles, que quand plus on s'approche de la période de la passion de Jésus, de la mort, de la résurrection, et plus on va trouver des citations, des textes qui disent « afin que s'accomplisse ce qui est écrit ». Bon, alors, quand on lit ces textes-là,
On peut toujours se poser la question, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Est-ce que ce sont les apôtres qui, après la mort de Jésus, se sont mis à dire, après tout, il faut bien expliquer sa vie ? Ah ben tiens, effectivement, Zacharie avait dit ceci ou cela. Bon. Il faut que ça colle. Exactement, il faut que ça colle, donc on va coller les petits bouts, et comme ça, on va montrer Jésus comme accomplissement des Écritures. Alors le pape, il va montrer, par exemple, à travers un texte qu'il va analyser de façon très détaillée, l'entrée de Jésus à Jérusalem, le fait qu'il envoie ses disciples pour délier un âne, de lui apporter, monter sur l'âne, entrer et être acclamé. À partir de toutes les citations qui sont apportées, il va montrer qu'en réalité, ce ne sont pas simplement les apôtres qui sont en train d'appliquer des versets de l'Ancien Testament à Jésus, mais que tout ce que Jésus a fait s'appuyer sur l'Ancien Testament. Ce qui montre que Jésus était conscient de ce qu'il faisait et que lui-même, comme il dit, d'ailleurs une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce texte-là, son cheminement est un cheminement à l'intérieur de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience de Jésus d'être le Messie n'est pas une sorte d'illumination un peu curieuse qu'il aurait eue soudain, hein, mais qu'il était habité par la parole de Dieu, il était conscient de l'accomplir. Hein, et que donc, il accomplissait des gestes qui montrait qu'il était le Messie attendu par Israël. Et puis le peuple devait le deviner. Les gens d'ailleurs le devinaient. Quand on nous dit que les gens se sont mis à acclamer en disant « Hosanna au plus haut des cieux », un texte qu'on nous, normalement que c'est un psaume de la fête des tentes, hein, davantage que la fête de la Pâque. Hein, mais c'est un psaume messianique. Et donc le peuple, à partir du moment où on voyait Jésus entrer sur un âne à Jérusalem, comprenne que c'est un acte messianique et il l'acclame avec un psaume messianique. Voyez, et le pape le montre maintes fois. Ce qui d'ailleurs permet de comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, quand Jésus dit « il faut que s'accomplisse », etc., quand il annonce sa passion, il y a beaucoup d'endroits dans les évangiles, si vous voulez, qui montrent que Jésus, justement, était habité par cette idée qu'il accomplissait la volonté du Père qui avait déjà été exprimée par les prophètes. Voilà. Oui, ce que dit mon voisin va assez loin, parce qu'il y a un certain nombre de mots de l'Ancien Testament qu'on n'ose pas utiliser en théologie catholique, enfin qu'on n'osait pas utiliser dans les dernières décennies, sacrifice, expiation, souffrance vicaire. Pourquoi ? Parce que derrière ces mots, on a en fait l'image ou la compréhension que les auteurs de l'Ancien Testament en ont. Et au fond, une tentation serait de dire, bon, Jésus vient réinterpréter des catégories qui sont déjà utilisées dans l'Ancien Testament, mais finalement, il vient réformer ou modifier une compréhension qui est déjà donnée avec le texte de l'Ancien Testament. Or là, Benoît XVI est très clair dans son livre, en montrant comment, finalement, c'est le Christ qui apporte à toutes ces catégories leur vérité. Par exemple, sacrifice, ça pourrait être une pénitence tarifée offerte au temple de Jérusalem pour l'expiation ou la libération du péché. Et en fait, ça devient la réponse gratuite d'un homme au don gratuit du Père. Et donc on voit bien qu'on entre dans un mouvement de gratuité et que la compréhension du terme de sacrifice à l'intérieur de ce contexte de gratuité n'a plus rien à voir finalement avec une préfiguration que l'on trouve déjà dans les rituels du Lévitique. Alors du coup, quel est le statut qu'il faut accorder justement à cet Ancien Testament ? Enfin, on sent qu'on avait pendant assez longtemps dit, bon, il y a le Nouveau Testament qui est le texte central et puis l'Ancien, on l'étudie facultativement. Là, on a l'impression que c'est quelque chose de très important pour le pape. Juste un mot et je passe la parole à mon voisin. Enfin, c'est important parce que d'une part, Jésus est incarné dans le monde juif et qu'on ne peut rien comprendre à qui il est, à son historicité, si l'on ne connaît pas cette culture juive. Et deuxième élément, il y a à partir des années 90 ce que l'on appelle la troisième quête du Jésus historique, c'est-à-dire une nouvelle recherche sur le Jésus historique qui fait suite à la deuxième quête qui était celle de Kaisman, où l'on Kaisman insistait beaucoup sur la discontinuité finalement entre Jésus et le milieu juif, et au fond le résultat de la recherche historico-critique de cette troisième quête, c'est plutôt de situer Jésus dans le milieu juif et de montrer la continuité qui existe entre lui et ce milieu. Tout en soulignant, on sent bien que le pape est très attentif à ça, tout en soulignant que Jésus n'était pas un révolutionnaire juif, enfin on sent qu'il se détache de toutes ces théories un peu révolutionnaires. Là, il s'inscrit tout à fait dans le sillage de John Mayer et d'autres ouvrages. Et je crois que la chose intéressante, c'est de voir comment il présente la cohérence, je pense que c'est une de ses idées forces, la cohérence de la figure humaine et théologique de Jésus. Jésus, il a les Écritures. Il les prie, il les médite, il les connaît.
Et ce chemin d'accomplissement est un chemin intérieur parmi des textes touffus. Alors, nous sommes marqués, quand on voit des sites évangéliques, par des listes de 39 prophéties, donc justement, voilà, il faut rentrer sur un âne, il faut ressusciter Lazare, etc. Et Jésus suivrait un programme, ça serait simple d'interpréter les Écritures, un Messie, on saurait ce que c'est. Ben, ce n'est pas si simple. Hein, la prophétie de Balaam, fils de Béor, bon, je l'aperçois, mais non de loin, je le vois, mais non pour maintenant, une étoile se lève en Israël, un sceptre se lève en Juda, on entend ça avant Noël et on s'arrête là. Ça continue, il fracasse le crâne des fils de Seth, il défonce les tentes des fils de Moab. C'est un programme. Ce sera celui de Bar Corba en 132, ce n'est pas celui de Jésus. Alors, comment présenter la façon dont le Christ fait une lecture profondément personnelle et en fait inouïe, nouvelle, indéductible? Par exemple, sur la scène, il le montre très bien, comment la façon dont le Christ va penser ce geste, même, donc il va même au-delà qu'il part des synoptiques en disant on veut le priver de sa Pâque, finalement de son repas pascal, eh bien il va réussir, j'allais dire avec toute son intelligence de croyant, à trouver quand même le mode de s'offrir et de trouver un geste qui est parmi les plus simples du rituel, hein, le pain, le vin et la bénédiction, et va arriver à faire quelque chose de totalement surprenant. Surprenant, mais totalement incarné, totalement provenant de la matrice biblique dont il vient. Donc, je pense dans plusieurs passages du livre, et Rafik a raison, c'est les deux volumes qu'il faut prendre ensemble, c'est qu'il veut arriver à montrer qu'il y a une cohérence humaine et spirituelle du Christ telle qu'elle apparaît dans les évangiles, dans cette succession de paroles et de gestes étonnantes, et que ce n'est pas l'imagination d'évangélistes postérieurs qui ont donné la cohérence à cette figure. Cette cohérence, elle vient du juif croyant Jésus, qui à partir de sa prière, à partir des Écritures, trouve le chemin de son obéissance. Chemin qui, avant, aurait été inimaginable, aurait été non programmable par qui que ce soit. Le théologien de l'époque n'aurait pas pu faire la liste de ce qu'il devait faire. Et qui pourtant, en relecture croyante après coup, on réalise qu'il accomplit, il tire des fils de l'ensemble des Écritures d'une manière totalement fidèle à la logique profonde des Écritures et totalement nouvelle. C'est ça, c'est un argument de crédibilité assez important au plan rationnel de la figure humaine de Jésus. Juste un petit supplément. Moi, en tout cas, sauf si je me suis trompé dans ma lecture, je pense que le pape, en insistant sur en analysant cette question-là de Jésus zélote ou pas, il a aussi zélote, une pensée pour vous voulez dire révolutionnaire. Voilà, zélote, révolutionnaire. Justement, j'utilise le terme zélote. Car il pense un peu au temps moderne aussi. Hein, c'est là que la lecture du pape est très actuelle, la question du fondamentalisme violent. Hein, et Jésus, d'ailleurs, utilise ce terme-là, « le zèle de ta maison me dévore hein, ». Et le pape analyse le mot « zèle », comme il fait d'ailleurs pour d'autres termes. Hein, c'est un élément très intéressant dans son livre où il s'arrête sur certains termes pour les expliquer. Hein. Et le mot « zèle »,« zélos », il l'interprète en comparant finalement le zèle des zélotes de l'époque de Jésus, des révolutionnaires qui s'étaient entretués. Même dans la tradition juive, on dit que le deuxième temple a été détruit en raison de la haine des frères. Mm-hmm. Alors que pour Jésus, le zèle, pour reprendre l'expression du pape, il a transformé en zèle de la croix le zèle qui voulait servir Dieu par la violence. Il a ainsi définitivement établi le critère du vrai zèle, le zèle de l'amour qui se donne, hein, comme disait Moi, ce qui me frappe en lisant ce livre, j'aimerais savoir si vous en êtes d'accord, c'est qu'on a l'impression que c'est le retour, et Chantal Delsol le disait aussi, c'est le retour de ce qu'on appelle techniquement une christologie haute, c'est-à-dire on a l'impression que Jésus, avant tout, c'est le Seigneur. D'ailleurs, Benoît XVI fait allusion à un livre qui a eu un grand succès de Guardini, qui s'appelait Le Seigneur. On a l'impression que c'en est fini du Jésus brave type. Alors, de fait, ce que vous dites peut faire écho également aux différentes hypothèses qui viennent de cette troisième quête du Jésus historique. Alors, qui était Jésus? Est-ce que c'est un sage, un maître de sagesse? Est-ce que c'est un marginal rural? Est-ce que c'est un marginal égalitariste? Ou est-ce que c'est un prophète eschatologique? Et il me semble que Benoît XVI part d'une autre question, qui est toute la question de l'Ancien Testament. C'est, au fond, la question de l'Ancien Testament irrésolue, c'est la question du combat contre le mal.
Ça commence dès le chapitre 3 de la Genèse, et Chantal Delsol faisait allusion tout à l'heure à des conceptions circulaires du temps. On voit dans Coëlette comment cette conception circulaire du temps est présente, et comment il y a en même temps une désespérance devant un temps qui revient irrémédiablement avec la victoire des méchants et l'échec des justes. Et au fond, il faut que le Fils lui-même se confronte jusqu'au bout à cette question du mal pour entraîner dans sa victoire, d'une certaine manière, l'humanité entière. Mais tant que cette rupture ontologique n'est pas arrivée dans l'histoire, rien n'est possible. Et au fond, on pourrait encore rester longtemps dans la désespérance, qui est quand même un sentiment de fond de l'Ancien Testament. Alors, je vous propose d'en arriver à la troisième partie de cette table ronde. On va parler cette fois-ci du peuple de Dieu, parce que même si le livre s'appelle Jésus de Nazareth, on parle aussi des apôtres et finalement de l'Église. Donc, on va lire un troisième extrait. L'urgence de l'évangélisation dans la génération apostolique est motivée non pas tant par la question de la nécessité de connaître l'Évangile pour le salut individuel de chacun, mais bien plus par cette grande conception de l'histoire afin que le monde atteigne son but. L'Évangile doit arriver à tous les peuples. En certaines périodes de l'histoire, la perception de cette urgence s'est affaiblie notablement, mais elle s'est ensuite toujours réveillée, suscitant un nouveau dynamisme dans l'évangélisation. En arrière-plan, nous avons toujours à cet égard la question concernant la mission d'Israël. Nous sommes aujourd'hui déconcertés devant les nombreux malentendus, lourdes conséquences qui, à ce propos, ont pesé sur les siècles passés. Par une nouvelle réflexion, nous pouvons cependant reconnaître qu'au milieu de tous ces obscurcissements, la possibilité de la mise en route d'une juste compréhension est toujours apparue. Je voudrais ici me référer à ce que Bernard de Clairvaux conseillait concernant cette question à son disciple, le pape Eugène III. Il rappelle au pape qu'il ne lui a pas été confié de prendre soin seulement des chrétiens. Tu es également débiteur vis-à-vis des infidèles, des juifs, des grecs et des païens. Toutefois, il se corrige immédiatement en précisant « J'admets que pour ce qui concerne les juifs, tu as une excuse liée au temps. Un moment précis a été déterminé pour eux que l'on ne peut pas anticiper. Les païens, dans leur totalité, doivent les précéder. Mais que diras-tu à propos des païens eux-mêmes ? À quoi pensaient tes prédécesseurs pour interrompre l'évangélisation alors que l'incrédulité est toujours diffuse ? Pour quel motif la parole qui court avec rapidité s'est-elle arrêtée ? Hildegard de Brême commente ainsi ce passage. Dans la ligne de Romains 11-25, l'Église ne doit pas se préoccuper de la conversion des Juifs parce qu'il faut attendre le moment préétabli par Dieu jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens. Bien plus, les Juifs eux-mêmes sont une prédication vivante à laquelle l'Église doit renvoyer parce qu'ils réalisent la passion du Christ. L'annonce du temps des païens et le devoir qui en découle est un point central du message eschatologique de Jésus. Le devoir particulier de l'évangélisation des païens que Paul a reçu du ressuscité est fortement ancré dans le message que Jésus a donné aux disciples avant sa passion. Le temps des païens, le temps de l'Église, qui, comme nous l'avons vu, a été repris dans tous les évangiles, constitue un élément essentiel du message eschatologique de Jésus. Alors c'est un texte tout à fait étonnant, même si le pape utilise une sorte de biais, c'est-à-dire qu'il cite une théologienne allemande un peu pas toujours très connue. On entend quand même très clairement l'Église n'a pas à se préoccuper du salut des Juifs. Alors j'ai choisi cet extrait parce qu'il me semble que de fait dans les deux volumes, le pape déploie assez finement un nouveau regard sur Israël et sur le judaïsme. Alors, il y a ce que la presse a beaucoup souligné, c'est-à-dire il écarte systématiquement dans le récit de la Passion les traditionnelles interprétations anti-juives, donc les juifs dans l'évangile de Jean, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants dans Matthieu, la foule dans Marc. Donc, assez systématiquement, il écarte les lectures qui, comme il le dit dans l'histoire,
ont servi, ont obscurci le rôle d'Israël. Et là, il s'inscrit tout à fait dans ce que l'Église catholique dit depuis Vatican II. Mais là, il y a quelque chose de plus original, c'est l'aspect positif, c'est-à-dire comment on présente aujourd'hui le rapport à Israël. Alors là, il y a deux axes. Le premier axe, on va dire, il est sémantique. C'est la question « peuple de Dieu ». Le mot « peuple de Dieu », dans la catéchèse que j'ai eue quand j'étais petit dans les années 70-80, c'était l'Église, c'était assez clair. Et en 1969, un théologien du nom de Joseph Ratzinger a publié un livre qui s'appelait « Le nouveau peuple de Dieu », dans lequel il n'y a pas une mention d'Israël. C'est la question, le peuple de Dieu, c'est l'Église en tant que clerc et laïc ont le même baptême. Et en même temps, cette dénomination, elle a le danger de pouvoir éventuellement favoriser une théologie dite de la substitution, dans lequel au premier peuple de Dieu qui était Israël succède un second qui serait l'Église. Alors, dans les deux volumes, il privilégie, peuple de Dieu désigne très souvent Israël, n'est quasiment jamais à deux ou trois exceptions près appliquées à l'Église, et il privilégie pour parler de l'Église la notion de famille eschatologique des enfants de Dieu, famille de Dieu, donc pour bien montrer qu'on est dans autre chose. L'Église n'est pas un peuple, même si le terme est justifiable, on peut l'employer, mais n'est pas un peuple comme Israël, ne fait pas nombre avec Israël. Ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe, pour fonder cela, il s'appuie sur le texte scripturaire fondamental pour penser le judaïsme, et texte qui a été totalement sous-utilisé dans l'histoire théologique de l'Église, qui est Romains 9 à 11. Et c'est ce passage-là, alors c'est là où on voit sa finesse théologique, parce que justement, il ne veut pas dire c'est moi, Joseph Ratzinger, je me suis réveillé ce matin et j'ai eu cette idée, etc. Il prend un docteur de l'Église, Saint Bernard de Clairvaux, écrivant à son disciple, le pape Eugène III, donc une petite ironique, le pape disciple de ce théologien, pour dire, bon, qu'est-ce que tu fais pour l'évangélisation? Ça ne va pas du tout. Bon, alors, les Juifs, non, les Juifs, c'est autre chose. Et là, le pape s'exprime, et je pense que c'est la première fois qu'un pape le fait comme cela, contre toute tentative de convertir collectivement les Juifs. Et pour lui, ça s'oppose directement à ce mystère révélé en Romains 9-11. Accueillir individuellement des Juifs qui demandent le baptême, bien sûr, on ne crée plus que ça, mais cette tentative de hâter la rédemption, cette tentative de pas mal d'évangéliques américains, il faut absolument convertir les Juifs, on va faire venir la fin du monde comme ça. Et donc on va soutenir même les plus radicaux en Israël pour que ça pète. Bon, il s'oppose à ça. Et il propose cette vision selon laquelle le rôle d'Israël demeure dans le dessein de Dieu. Il développe, il va direct à Romains 11-25. Je voulais juste citer, il y a eu un très très beau discours du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, il y a quelques semaines, le 27 février, dans lequel il dit ceci. « Depuis l'Antiquité, ces chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains subissaient une sorte de purgatoire. Aujourd'hui, ils représentent dans la doctrine de l'Église romaine une sorte d'hymne en l'honneur d'Israël et de son éminente dignité dans le plan divin. » Eh bien, Gilles Bernheim a totalement perçu l'axe qui est celui, notamment très clairement dans ce deuxième volume, c'est-à-dire non seulement écarter les théologies anti-juives, mais proposer une théologie positive d'Israël aujourd'hui. Alors, vous êtes un spécialiste de Paul, donc Romains 9 à 11, ça vous fait absolument écho. Rappelez-nous quelques mots ce que c'est, ce fameux passage de Romains 9 à 11. Eh bien, Paul s'interroge sur ce fait que la majorité des membres du peuple d'Israël ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Pourquoi, dit-il, ont-ils trébuché ? Pourquoi l'essentiel, la grande part d'Israël, ne reconnaît pas son Messie? Alors, il y a une exception, il en est, Hébreu, fils d'Hébreu, et il lui est révélé par Dieu, donc c'est un mystère, il lui est révélé par Dieu que c'est une étape dans le plan divin pour que rentrent les nations, tous les peuples de la terre, afin qu'ils rentrent dans l'Alliance. Il fallait que, justement, d'une certaine manière, Jésus apparaisse clairement comme le sauveur des nations. Ce faisant, il ne cesse jamais et il ne cessera jamais d'être le Messie d'Israël. Il est Messie d'Israël et sauveur des nations. Mais il fallait qu'il y ait cette étape qui durera jusqu'à ce que dure le temps des païens. Alors, on a beaucoup discuté sur l'Église de cette formule. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, prend position. On est encore dans ce temps des païens. Des gens ne connaissent pas l'Évangile. Des peuples ne connaissent pas l'Évangile. Et franchement, le souci premier, c'est ça. C'est pas d'essayer de se précipiter avec des manuels bien traduits sur tous les Juifs qu'on peut croiser pour leur dire que c'est le moment. Donc, il prend position là très fortement. Et voilà. Et c'est une vision théologique dans Romains. C'est la vision la plus complète de Paul. Ça fait trois chapitres dans lesquels, disons, la déception ou la tristesse qui peut être liée au fait que beaucoup de fils d'Israël n'ont pas reconnu le Messie est contrebalancée par une vision quasiment mystique, très théologique et mystique,
que c'est un élément du dessein de Dieu. Et que donc le maintien d'Israël, encore aujourd'hui, le judaïsme vivant, c'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous. C'est la fin de ce qu'il a dit de cette cistercienne allemande, voilà. C'est une prédication vivante, voilà. Rendons grâce à Dieu pour le fait qu'il y ait un Israël et un judaïsme vivant aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour nous. Père Rafik Nara, je le dis, vous êtes responsable du pôle judaïsme et christianisme ici. Est-ce que vous êtes, j'imagine que vous êtes d'accord, mais comment est-ce qu'il faut comprendre c'est une prédication vivante, ce que vient de rappeler Marc Rastoin? Il faut étudier le judaïsme ou il faut tout tisser des rapports avec le judaïsme? Comment est-ce qu'il faut faire? C'est difficile de comprendre exactement le pape à quoi il se réfère. Peut-être à la souffrance du peuple juif en raison aussi de la, finalement, de la Torah et de la promesse et de l'alliance qu'il est porteur. Et là, je pense que, par exemple, Monseigneur Lustiger, qui était notre ex-évêque, n'aurait pas été contre. C'était aussi sa manière de parler du peuple juif comme étant porteur, si vous voulez, d'une mission qui est lourde à porter. On parle souvent du privilège d'Israël. De fait, c'est un privilège, mais privilège va avec responsabilité et le peuple juif est conscient de cela. Il est conscient qu'il est porteur d'une mission qui n'est pas uniquement pour lui-même, voyez, mais qui a des conséquences sur le monde. Ils font beaucoup d'efforts en disant voilà, pour la réparation du monde. Et donc, ils sont porteurs, effectivement, d'une prédication vivante. Et ce qui est important aussi, ils sont dans l'alliance de Dieu. Ce que l'Église ne cesse de rappeler toutes ces dernières années, l'alliance qui n'a jamais été révoquée. Voyez, c'est-à-dire que le rapport d'un chrétien à quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance de Dieu n'est pas le même que le rapport à quelqu'un qui est dans l'alliance avec Abraham, avec Moïse, etc. Et simplement, je me permets de, juste un instant, je pense qu'il y a quelque chose qui est de très beau qui a été dit par le pape Benoît XVI. Avant cela, quand il parle, il rappelle que dans la génération apostolique, l'urgence de l'évangélisation est motivée non pas tant par la question de la nécessité de connaître l'évangile pour le salut individuel, mais bien plus par cette grande conception de l'histoire. Et je pense qu'il nous invite, en fait, il invite les chrétiens à entrer dans cette sorte de regard vaste. C'est-à-dire que l'être humain doit être très délicat quand il touche la conscience d'un individu. Vous voyez, on n'a pas à se mêler de la conscience. On peut dire, on peut témoigner, mais on n'est pas là en train d'être inquiet parce que, vous voyez, ça n'est pas de cela qu'il s'agit. On annonce, et en étant conscient qu'Israël est déjà dans l'alliance de Dieu. Et donc l'Église, on ne dit pas que les Juifs seraient sauvés en dehors du Christ, il dit l'Église ne doit pas se préoccuper de la conversion des Juifs. Vous voyez, voilà. Juste un petit brièvement, point, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Quand il dit que la lecture juive peut enrichir notre compréhension de la parole de Dieu, nous reconnaissons le devoir de faire en sorte que ces deux manières de faire une nouvelle lecture des écrits bibliques, celle des chrétiens et celle des juifs, entrent en dialogue pour comprendre correctement la volonté et la parole de Dieu. Et plus loin dans le livre, il va reprendre l'expression théologie rabbinique pour en faire l'éloge, justement que dans le dessein de Dieu, l'idée de créer un peuple saint comme interlocuteur de Dieu précède l'idée de la création du monde et en est la raison profonde. Il va citer positivement la théologie rabbinique. Je pense que dans la bouche d'un pape, ce n'est pas si fréquent. Alors pour conclure cet entretien, j'ai envie de vous poser une question rapide, parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Qu'est-ce que ça va changer, ce livre, dans votre pratique exégétique? Je pense que Benoît XVI ouvre un chantier, il le dit dans son introduction, il dit « c'est un essai exégétique finalement ». Et dans le numéro 34, si mon souvenir est bon, de Verbum Domini, il dit « bon, les exégètes ont acquis une compétence extraordinaire en exégèse historico-critique ». Mais au fond, l'herméneutique théologique est une discipline nouvelle et il faut absolument mettre en place un appareillage méthodologique pour se lancer dans une compétence aussi haute dans cette nouvelle herméneutique théologique du texte biblique. Alors je pense que le chantier, c'est celui-là. Ça passe par l'approche canonique du texte biblique, et l'approche canonique en est vraiment assez balbutiement. Donc je pense que le chantier actuel, c'est vraiment des lectures canoniques du texte biblique. Moi, ça sera très simple, ça m'encourage, et j'ai l'impression que c'est ce que je cherche à faire, donc ça m'encourage à le faire d'autant mieux. Moi, je dirais l'audace du pape. Quand même que le pape qui entre dans des discussions, dans des questions disputées, si vous voulez, et qui prend position en disant Matthieu et Marc ne disent pas exactement la même chose, donc Marc serait peut-être plus historique que Matthieu. À la date de la scène, il y a Jean qui dit cela et les synoptiques disent cela, la date de Jean. Et je trouve que c'est très libérant pour un enseignant. Donc si, parce que parfois les étudiants peuvent réagir en disant, mais enfin, comment est-ce qu'on peut se permettre de le faire? Eh bien, le pape aussi entre dans cette réflexion qui est utile pour un chrétien.
Eh bien, je vous remercie tous les trois. Je remercie Michael Lonsdale d'avoir bien voulu lire ces textes du pape. Je remercie également les participants à la première table ronde. Je vous rappelle donc que le livre du pape s'appelle « Jésus de Nazareth » en toute simplicité et qu'il est paru aux éditions du Rocher. Merci de nous avoir suivis.